Cette dague chinoise est très ancienne. Papa en avait une comme ça dans sa collection. De 854 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que...
Thank you.
vase ancienne, probablement du 1er siècle. Depuis combien de temps les bateaux viennent-ils s'échouer sur cette île ? De tempête, nous nous trouvons à la veille d'un grand changement. La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume. La colère de notre reine déclenchera la plus puissante des tempêtes et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies. Mais cette victoire ne sera qu'un commencement. À l'aube, quand la lumière de notre reine atteindra l'océan et les terres et que nous serons touchés par sa grâce, tous nos ennemis brûleront.
place, ça craint. J'y retournerai pas, même si le père Mathias... Merde. T'as entendu? Je vais voir s'il y a quelque chose. Thank you.
assez moderne. Peut-être du 18e siècle. La carpe en or est là pour contraster avec le bois laqué noir. Des taches de sang. Quelqu'un a utilisé ce couteau récemment. Thank you.
Des loups. Comme ceux dans la forêt. Ils essayent de les dresser. Bonsoir Lara. Alex, j'essaye de vous joindre depuis ce matin. On vient de regagner la plage. Le bateau est dans un sale état. Sans les bons outils, on aura du mal à le remettre en marche. On va avoir besoin d'un coup de main ici. Vois ce que tu peux faire. J'arrive. Fais bien attention à toi.
nous a dit que tu étais en route. Je vais pas tarder. Il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est à l'origine des tempêtes, cette chose qui nous empêche de quitter l'île, c'est au monastère que je la trouverai. Tu es sûre? Oui, Sam. J'ai besoin que tu n'en parles à personne pour le moment. Je vais aider Reyes à réparer le bateau, puis je remonterai à la rivière. Lara, ce n'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance, c'est la seule solution. D'accord, sois prudente. Calme. Thank you.
J'imagine que les autres ont trouvé un moyen plus facile de descendre.
Je sais que tu voudrais que je sois plus gentille avec Lara. Mais si je ne la ménage pas, c'est pour une bonne raison. Notre si coûteux navire et tout son équipage se dirigent vers des eaux dangereuses uniquement sur la base de ses théories. Lara doit comprendre le poids de sa responsabilité. J'ai l'impression que tu oublies parfois qu'elle n'est pas ta fille. Personne n'aurait pris le risque de conduire l'Endurance dans le Triangle du Dragon sans une preuve tangible. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a convaincu ? Elle est intelligente, je te l'accorde, et j'admets que cette expédition a du potentiel. Mais on ne monte pas une expédition sur une intuition. Tu sais comme moi que rien ne se passe jamais comme prévu. Lara n'a aucune expérience. Si les choses tournaient mal, elle en serait responsable. Peut-être que tout ira bien, mais tant que nous ne serons pas rentrés à bon port avec un tas de reliques à étudier, je serai sur son dos. Chose que je n'ai pas ressenti depuis l'enfance. Quand mon père était fou de colère. Que je me cachais avec mon frère et qu'il me racontait la légende de Pania des Récifs. Je me souviens que j'avais l'impression que l'océan m'appelait. Je voulais m'enfuir. Me réfugier dans une mer de silence. Et aujourd'hui, je regarde ces récifs et ce sentiment me revient. Je vois la chevelure d'algues de Pania se faufiler entre les épaves. Je sens ses larmes dans les embruns. Lara a raison. Cette île est maudite. Il y a de la colère. Et cette colère nous retient. Si par malheur je devais être le seul survivant, je laisserais Pania m'emmener avec elle. J'irai rejoindre mon frère dans les vagues. Pas encore faire ça.
Ça ne marchera pas. Je suis là. Lara. Alex va regretter d'avoir raté ça. Oui. Où est Alex? Ah, il est retourné sur l'Endurance récupérer des outils pour Reyes. Jonah, essaie le treuil. Alors c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. On doit pouvoir le soulever en douceur, en utilisant une sorte de palan. T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudente, Lara. Je vais voir si je peux faire marcher cette arme. D'accord. Moi, je vais démonter tout ça et préparer le truc dans le talent. Et moi, je peux brancher t-il ? Oui, pousse-toi de là. Ce truc fonctionne encore. Il faudrait les nettoyer, mais oui, il devrait marcher. J'espère qu'ils ne serviront pas. Fais attention. C'est bon, Lara n'est pas la seule. Attention, Sam. Désolée, je suis désolée. Hey, c'est pas grave. Calme-toi. Et ne touche plus à rien.
Vieux de plus d'un siècle. Le voilà.
et mets-toi à couvert. Je vais m'aider. Était utilisé par les scribes au service de la famille royale chinoise. Il y a une petite gravure indiquant qu'il appartient à un ambassadeur impérial. Alex devrait déjà être revenu. Alex ! À moi ! C'est le Dr. Whitman. Shanna ! Alex ! Combien ils sont ? Je ne sais pas. Vous êtes blessé ? J'ai vu personne. J'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un dératé. Et vous avez à peine transpiré ? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi ? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez ? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. J'essayais simplement de... Vous l'ouvrez encore, et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coups de crosse. Si on commence à se disputer, on est foutus. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose, d'accord? Je vais chercher Alex. Où étaient les outils ? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long.
Lara, attends. Tiens, prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je l'ai trouvé. Il est puissant. Ses flèches transperceront presque tout. Merci, Jonah. Tu as trouvé de quoi t'occuper l'esprit. Ouais, un vieux Robinson Crusoe. Quelle ironie. Eh bien, il a fini par la quitter son île. On peut voir ça comme un bon présage. Nous ne voyons jamais notre véritable condition avant d'en avoir expérimenté l'opposé, ni ne savons apprécier ce que nous vivons qu'à travers nos désirs. Lara, on va s'en sortir. Dis-moi, Lara. Bien sûr qu'on va s'en sortir, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille. Lara va ramener Alex. Ensuite... Vous vous rappelez ce qu'il chantait? Je n'ai pas très envie de parler, Lara. Tu devrais... aller chercher Alex. Lara, j'espère que vous comprenez. Là-haut, au palais, je ne pouvais vraiment rien faire. Si vous le dites... Bon, mais nous n'avons pas le temps de parler de tout ça. J'aimerais noter tout ce que j'ai vu ici. Quelle histoire, quelle culture fascinante. Quoi? Pardon, Lara, mais j'ai besoin de me concentrer. Lara, l'endurance est échouée de l'autre côté des falaises. Tu peux peut-être utiliser ce nouvel arc pour y parvenir. Essaie les rochers de l'autre côté du quai. Tu n'as vu aucun signe des pilleurs? Rien, tout est calme. S'ils sont dans le coin, je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, s'ils sont dans le coin. Écoute, Lara, je sais que t'as pas confiance en Whitman, mais on doit se serrer les coudes. C'est vrai qu'il a peut-être un petit peu perdu les pédales, mais je ne crois pas qu'il nous trahirait. Pourvu que t'aies raison. Alex est parti depuis trop longtemps. J'aurais jamais dû le laisser y aller seul. Ne tarde pas. Il faut trouver Alex.
ne peut pas encore faire ça. Proche de l'endurance. De quoi t'as besoin exactement? Alex! On se faisait un sang d'encre! J'ai besoin d'une... Sinon je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi, tu ferais mieux de l'attendre. Lara? Non, non, c'est pas la peine, j'y vais. Je fais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais?
t'es un peu roussi sur les bords, toi. Qu'est devenu ton propriétaire? Il y a un nom sur l'étiquette. Millie. T'as besoin exactement? Alex, on se faisait un sang d'encre. J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Tu ferais mieux de l'attendre. Lara? Non, non, c'est pas la peine. J'y vais. Je fais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais? Repose-tête, ou bien cet objet faisait-il partie d'un ensemble de statues? Je me renseignerai si j'arrive à quitter cet endroit. Récupération des matériaux sur le bateau. Ouais. On va être là-bas. On va faire un charge.
dire aux exterminateurs. T'en fais pas pour ça. Il dira qu'il est devenu fou. Qu'il a sauté. Et tu lui as tiré dessus. Ah, c'est des détails. Tu sais quoi? Ils trouveront même pas son corps. Sérieux, mon frère. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Eh, c'est lui. Il voulait pas la fermer. Il me rendait dingue. La reine solaire par-ci, la reine solaire par-là. Et toutes ces prières tout le temps, j'en pouvais plus. T'aurais pu, je sais pas, l'assommer. J'ai craqué. Cet endroit me rend dingue. Ouais, mais faudrait que t'arrives à te contrôler. T'as pas intérêt à raconter ça qui que ce soit, compris? Ok, ok. Oh, bon sang! J'ai besoin d'aide, par ici! Celui-ci a l'air un peu plus confortable. Passer tous les enfants. Encore un nom gravé dans le bois. Coco.
Ça faisait partie de leur laboratoire. Avait-il été envoyé ici pour enquêter sur les tempêtes ? Il y a encore du courant. Comment est-ce possible ? Il doit y avoir un moyen de traverser. Thank you.
moyen de traverser sans danger. Dépôt de reliques d'un tombeau ancien. Qu'est-ce qu'il cherchait ? Thank you.
reine solaire a vieilli. Bientôt, elle choisira celle qui doit lui succéder. Je crains que ce soit moi. Je suis sa favorite, l'objet de toutes ses attentions. Elle me considère comme sa fille. Telle une poupée, elle me garde constamment auprès d'elle, me brosse les cheveux, m'habille de ses vêtements préférés. Je sens mon malaise grandir de jour en jour. Mais le plus étrange, c'est sa manière de me regarder. Comme on regarde son propre reflet dans un miroir. Ça ne marchera pas. Quelqu'un est venu ici. On a un intrus.
bien stable, on le remonte. Qu'est-ce qui se passe au palais? C'est quoi cette clé? S'il y avait un problème, il nous appellerait. Ouais, mais la radio, il n'y a pas eu un signal de toute la nuit. Il se passe quelque chose. Je t'ai dit de te taire. Arrête. Attends, c'est quoi, c'est? Putain, c'est pas vrai. Tu pars d'un boulot, la con. Frère, arrête. Je suis pas ton... C'est honnête, par ici. Arrêtez-vous. Rapport d'expédition. Notre base côtière a été attaquée par des assaillants inconnus. Nous soupçonnons les Américains d'avoir débarqué sur l'île pour saboter nos opérations. Les communications ont été interrompues dans toute l'île et nous avons subi de lourdes pertes. Beaucoup de nos soldats ont tout simplement disparu. Tout le personnel restant est maintenant affecté au monastère afin de contrôler les phénomènes météorologiques. Nous nous attendons à rencontrer une forte résistance. Nous demandons des renforts d'urgence. Voilà.
Qu'est-ce qui a tiré? À couvert. On a un intrus. Thank you.
Lara a entièrement raison. Il se passe des choses étranges ici. Le phénomène naturel qui détraque la météo, la base de recherche militaire, la reine solaire et cette secte d'illuminés. Si je l'avais pas vu de mes yeux, j'aurais cru à une mauvaise blague. À moins qu'il y ait des caméras planquées dans les arbres. En tout cas, je dois bien admettre que ça fout les jetons. Je continue à faire des blagues pour ne rien laisser paraître. Reyes va bientôt m'en coller une. Il faut que je me rende utile avant de devenir fou. J'aimerais être comme Lara. Elle est incroyable. Non seulement cette fille est brillante, mais en plus, elle assure dans l'action. Vu qu'elle m'a pas remarqué jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant qu'elle va commencer. À moins que j'arrive à attirer son attention. Autrement dit, 1873. L'une des faces est érodée, comme si on l'avait frottée trop souvent. Peut-être le porte-bonheur d'un soldat ?
ces marchandises. Je dois remercier Lara pour ce boulot. Elle a toujours cru en moi. La plupart de ses amis snobs de l'université méprisent la réalisation. Ils n'ont vu en moi qu'une écervelée qui empêchait leur petite protégée de se concentrer sur ses études. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond d'elle-même, Lara a vraiment soif d'aventure. C'était son idée de partir en Bulgarie avec juste nos sacs à dos. Même si elle ne s'attendait pas à ce que je la traîne dans cette boîte de nuit à Sofia. Et je crois qu'aucune de nous deux ne serait partie seule en Tanzanie au printemps dernier. Mais nous y sommes allés.
deux étudiantes explorant des ruines sur la face sud du Kilimandjaro. Lara avec son carnet, moi avec ma caméra. Elle est comme ça, la vraie Lara. Aventurière, intrépide, intelligente. Et peut-être un peu moins coincée grâce à moi. J'espère que nous vivrons beaucoup d'autres aventures ensemble. Dégagez avec ce crochet. Tiens le coup. Je vais te sortir de là. T'en fais pas. Ouais. Mais traîne pas trop. Et merde. Le rail est coincé. Il faudrait que j'arrive à grimper pour essayer de débloquer. Un moyen de monter.
plafond, il devrait y avoir une équipe. Un moyen de monter. Dégage tout ça.
Qu'est-ce qui se passe? Désolée, j'y suis presque. Il faut simplement que je dégage ces câbles. Les outils. Ah, enfin, je t'impressionne. On va te sortir de là. Ah, oh, désolé, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous tuer! Je vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres ont fui. Vas-y. Yeah!
Un vieux journal. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté les Oni. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Tempo Tsuro. Difficile de lire la date, mais le Japon en a produit des milliers au milieu du 19e siècle. Les Portugais frappaient ces pièces au XVIe siècle pour leur colonie de Malacca, en état actuel de la Malaisie. Elle doit provenir d'une des épaves de galion échouées sur l'île.
Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex ? Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes prêts au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Oh, ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Si je veux accéder à la chambre des rituels du monastère, il faut réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large, mais il faut que j'y arrive. C'est surtout Reyes qu'il ne sera pas facile de persuader. Elle veut rentrer auprès de sa fille, et la mort de Ross l'a bouleversée. Comme nous tous. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam, mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. La grotte a servi de lieu de culte.